Salam alaykoum. Qu'Allah vous récompense pour le temps que vous nous accordez. Vous nous avez beaucoup manqué et nous sommes contents de vous retrouver. Mes parents ont beaucoup de mal à accepter ma façon de vivre dans ma religion. Pourtant, ils font la prière, alhamdoulilah, mais pour eux, je suis dans l'extrémisme, l'intégrisme. Depuis que je leur ai annoncé mon départ au Hajj, ma mère ne veut plus me parler. Quand je l'appelle, elle est froide. Je l'ai appelé pour lui dire que je voulais passer les voir avec mon mari et mon fils avant de partir, mais elle m'a répondu qu'elle ne voulait pas me voir, que ça ne servirait à rien, car je ne l'avais jamais écoutée et qu'elle était malade à cause de moi. Que dois-je faire? Comment me comporter avec eux? C'est une sœur, Allahu a'lam, vu qu'elle a dit avec mon mari. Assalamu alaikum. Qu'Allah vous récompense pour le temps que vous nous accordez. Vous nous avez beaucoup manqué et nous sommes contents de vous retrouver. Mes parents ont beaucoup de mal à accepter ma façon de vivre dans ma religion. Pourtant, ils font la prière, alhamdulillah, mais pour eux, je suis dans l'extrémisme, l'intégrisme. Depuis que j'aurai annoncé mon départ au Hajj, ma mère ne veut plus me parler. Quand je l'appelle, elle est froide. Je l'ai appelée pour lui dire que je voulais passer les voir avec mon mari et mon fils avant de partir, mais elle m'a répondu qu'elle ne voulait pas me voir, que ça ne servirait à rien, car je ne l'avais jamais écoutée et qu'elle était malade à cause de moi. Que dois-je faire? Comment me comporter avec eux? Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Abou Adam, pardon, Adam. Abou Adam. Est-ce que tu m'entends? Écris numéro 1 si tu m'entends. Naam. Alhamdulillah. D'abord, faudrait-il que tu saches, inshallah ta'ala, que, yani, quand on veut aller au Hajj, personne n'a le droit de nous en empêcher. Naam. Au point où la femme en islam, si son mari n'accepte pas qu'elle aille au Hajj, elle va sans son consentement. Pour celles qui ne savent pas, pour les sœurs qui ne savent pas, apprenez cela. La femme, si elle veut aller au Hajj, son mari lui dit non, elle lui dit d'accord. Elle le laisse rentrer dans la chambre, elle prend sa valise et elle part. Naam. Bien sûr, quand elle a un mahram, elle a son frère ou là son père ou là qui l'emmène. Naam. Pourquoi? Il n'a pas le droit de l'empêcher. Car l'empêcher du Hajj reviendrait à ce qui l'empêche aussi de la salat. Et à ce qui l'empêche aussi de quoi? De la zakat. Naam. Mais elle lui demande pas son avis. Elle lui apprend qu'elle va partir au Hajj. C'est tout. Pour qu'il dise pas, subhanallah, où est ma femme? Je me suis réveillé, je ne l'ai pas trouvée à la maison. Mais elle lui apprend, c'est tout, que cette année, on ira à l'Hajj. Maintenant, même s'il dit non, elle part. Car obéir à Allah est bien avant l'obéissance du mari. Deuxièmement, le fait qu'elle dise que tu es intégriste ou c'est un délit que tu es dans le vrai islam. Nous tous, quand on a commencé, on a eu le problème avec les parents. Naam, des mois sans se parler. Pourquoi? Ils faisaient même des doigts, nous croyant qu'on était devenus fous. Naam. Celui-là, miskin, khlas, il est rentré dans le din. Allah yahdi, faites-lui des douas. Inch'Allah, il est malade pour qu'il guérisse. Il va devenir fou, je ne sais pas quoi. Il a perdu la raison. Et la même chose, on l'a dit au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, quand on dit ça de toi, c'est un délit que tu es dans le vrai chemin. Car, quand quelqu'un ne pratique pas l'islam, s'il est content de toi, etc., ça veut dire que tu n'es pas dans le vrai islam. Ça veut dire que tu ne pratiques pas comme lui. Mais maintenant que tu l'as, tu es dans le chemin opposé, c'est une preuve qu'il ne va pas être content de toi. Naam. Et il va te faire des problèmes et il va dire des choses de toi. Donc toi, Inch'Allah Ta'ala, tu n'as fait que obéir à Allah Ta'ala. Et ta mère, tu as fait ce qu'il fallait faire, c'est-à-dire lui dire que je vais passer pour te voir, etc. Elle n'accepte pas Allah Ghalib. C'est elle qui est dans la faute, ce n'est pas toi. Elle n'accepte pas, surtout à cause que tu as eu au Hajj, c'est de sa faute. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu ne vas pas aller au Hajj? Impossible. Si c'était un deuxième Hajj, d'accord. On dit, c'est une nafila, ce n'est pas la peine d'y aller, va chez ta mère, c'est mieux. Mais ça, c'est le premier Hajj. Il est obligatoire, c'est un pilier. Naam. Tu vas au Hajj et tu fais beaucoup de doigts à ta mère. Et quand tu reviens, la même chose. Tu téléphones ou là, tu vas chez elle et tu vois.
Si elle t'accepte, elle t'accepte. Si elle ne t'accepte pas, tu t'en remets à Allah Ta'ala. La faute est venue d'elle. Elle n'est pas venue de toi. Et mieux encore, je te conseille, mieux encore, ne te suffis pas au téléphone. Avant de partir, Naam, prends ton courage à deux mains et frappe à sa porte et rentre. Maintenant, si elle accepte, elle accepte. Si elle n'accepte pas, devant Allah Ta'ala, il est témoin que tu es allé chez elle, qu'elle t'a pas parlé, ou là, elle t'a, pardon du mot, elle t'a craché sur la figure, ou là. Tout ça, ce n'est rien. Naam, l'essentiel, tu as ravi Allah Ta'ala et tu as fait ce qu'il fallait faire. Donc, sois rassuré, Inch'Allah Ta'ala, ton hajj n'a rien à voir avec yani, son mauvais comportement à elle, pas à toi. Naam. Tafadlali, Adam, est-ce que c'est compris ou là autre chose? Alhamdulillah, fik barakallah.